Et salut tout le monde, c'est X-Rouge, aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de After Earth sur PlayStation 5, édité et développé par Piccolo Studio, sorti officiel le 23 mai 2023, et pour l'instant, une moyenne plutôt agréable de 15 sur 20 sur Metacritic. Qu'est-ce que After Earth ? Ayant déjà participé à la bêta presse pour voir de quoi il en retournait, je ne m'aventurerai guère plus loin que le premier chapitre, si on peut appeler ça un chapitre. Certes, toutes les spécificités et les aboutissants du jeu ne vous seront pas montrés, mais je vous dirai de quoi il en retourne durant ce gameplay découverte. Vous incarnez la représentation de l'arbre-monde Gaïa qui doit ramener la faune et la flore dans un monde complètement dévasté. Sur fond de jeux de plateforme et de puzzle game, vous serez accompagné de plusieurs spécificités et capacités comme le saut, double saut, dash, lévitation, ainsi que l'appel de la nature se manifestant par une grande aura ou encore une sphère de puissance pouvant aller vers l'avant et revenir jusqu'à vous tel un boomerang. Pour l'instant, voyez cette zone comme un simple tutoriel qui vous apprend les mécanismes du jeu. Premier point positif aussi que l'on pourrait noter, c'est le petit cercle qui grossit et rétrécit sous les pieds de la protagoniste.
J'ai eu beaucoup de mal avec des jeux de plateforme comme le dernier Crash Bandicoot repris par Visceral Games quand ils ont refait tout le code du jeu. L'aspect de profondeur était assez handicapant pour moi, je ne savais pas vraiment où est-ce que j'allais atterrir et là d'avoir mis un petit cercle en dessous, un peu comme la balle qui arrive sur le sol à Rocket League, c'est beaucoup plus pratique pour voir où on met les pieds. Ce qui fait que ça contrebalance clairement l'handicap que l'on peut avoir quand on est assez mauvais comme moi sur les perspectives et les profondeurs des jeux. Un autre point, comme vous pouvez le voir, là où j'avance, un sol de fleurs se dresse derrière moi. Si vous êtes un petit peu perdu dans ce jeu qui est quand même assez labyrinthique, eh bien sachez que si vous rebroussez chemin, vous saurez forcément d'où vous venez grâce à ce parterre de fleurs. Le sound design, la musique, vraiment tout y est pour vraiment pousser à l'immersion et vraiment prendre part à cette aventure. Donc oui, pour ramener du coup cette force à l'arbre monde, Gaïa doit ramener tous les esprits maîtres. À l'arbre, on va donc aller faire le premier acte, celui que j'appelle du coup le premier chapitre, ramener l'esprit du chien à l'arbre. Vous verrez, de toute façon, je ne vous spoile pas, on va le découvrir ensemble. Et comme je vous ai dit, il suffit là pour l'instant de parcourir cette route, cette autoroute complètement explosée. Nouvelle compétence, le dash en avant. Après le double saut avec la double croix, il faudra appuyer donc sur R2 pour dasher vers l'avant. C'est un peu contre-intuitif, je trouve, parce que déjà que le R2 c'est sur la touche sprint, il faut donc lâcher le sprint une fois qu'on a pris l'élan quand on est dans le saut, puis re-appuyer sur R2 pour dasher. Je l'aurais bien vu sur la touche rond personnellement. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. C'est juste un coup à prendre. C'est quand même un jeu à l'aspect et à l'attrait très poétique quand même. On se bat contre cette espèce de pollution et de destruction dans le monde, en ramenant donc, comme je l'ai dit, la faune et la flore à son apogée. Un petit côté un petit peu Journey, Flower, tout ce style de jeu un petit peu poétique. Si vous êtes amateur du genre, il y a fort à parier que After Us ne vous laissera clairement pas indifférent. Oui, j'ai réussi à gruger. Je sais que de base la suite a été sur cette route là, donc ça servait à rien de faire tout le tour. J'étais un petit peu ric-rac niveau distance quand même. J'ai failli douter si j'avais la range ou pas pour continuer. Mais ça reste très plaisant en fait. C'est très fluide dans les mouvements, à savoir que le jeu vous propose un mode qualité et un mode performance. Le qualité vous proposera un 4K en 30 FPS constant sur PlayStation 5. Si vous préférez le mode performance, vous passerez à du 2K pour du 60 FPS. C'est actuellement le mode dans lequel je suis. Même si l'encodage de YouTube vous montrera la vidéo en 4K, c'est un 2K qui sera légèrement lifté un petit peu mieux. On partira sur un 2K5 environ en visuel. Mais ce n'est pas du 4K natif. Qu'est-ce que c'est beau. C'est un aspect comme corrosif sur notre représentation de Gaïa. À nous donc, avec cette nouvelle technique, d'écarter, de séparer les eaux tel Moïse. Donc à savoir que vous pouvez aller dedans, mais le jeu va vous buter au bout de quelques secondes à l'intérieur de cette mélasse. On pourrait croire qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Si vous tombez de très très haut, vous
vous allez forcément mourir. Impossible de reprendre le contrôle avec une manette, à faire un double saut ou un dash ou quelconque galipette du genre. Vous allez forcément vous rétamer la gueule et crever. Après, vous réapparaîtrez au checkpoint précédent, hein. C'est pas non plus si punitif que ça. Le jeu est vraiment là pour que vous puissiez le parcourir de bout en bout, sans pour autant être pris par une grosse difficulté. Il y aura des ennemis, plus ou moins complexes, mais quand même assez faciles à combattre. Allons libérer le premier esprit. Plus vous libérerez d'esprits, plus vous verrez des esprits autour de vous dans votre parcours. Voilà, ils sont manifestés par des petites étoiles un petit peu plus brillantes sur mon parcours. J'en ai trois à faire jusqu'au chien. Et là, vous les voyez déjà. Le premier esprit que j'ai débloqué se manifeste du coup en décor sur la carte. Ouais, en fait, pas besoin d'aller en fait dans l'espèce de mélasse. Si vous en approchez trop et que les tentacules vous chopent, en fait, ben, vous vous faites buter. Dans ma première run, je pensais vraiment qu'il fallait clairement aller dedans. Finalement, il suffit à peine de s'en approcher. Si la tentacule vous touche, vous êtes foutu. Allons libérer les autres esprits pour faire un petit peu plus de décoration environnementale durant notre progression. Ça rajoute un petit aspect un peu poétique, justement. En fait, la difficulté du jeu se résidera dans... Pour les plus téméraires d'entre vous, à ceux qui veulent le faire à 100% et débloquer tous les esprits, vous allez donc devoir parcourir le jeu de long en large, de bout en bout, et surtout, vous allez devoir accomplir tous les puzzle games. Et voilà, pour aller d'un point A à un point B, faire vraiment tout ce qui peut paraître vraiment à une avancée assez distincte selon le psyché et le mental dérangé des développeurs de chez Piccolo Studio. Ils veulent vous faire aller à tel ou tel endroit et se mettre dans la tête de celui qui a créé le parcours, ce sera ça la plus grosse difficulté. En soi, l'adversité que vous proposera le jeu durant les phases de fight, d'affrontement, n'est pas si complexe que ça. L'exploration est plus compliquée selon moi. Donc là, il n'y en a plus autour de moi. Le prochain, il faut aller vers le chien-chien. Et puis de la façon dont se pose Gaïa dans le menu, vous voyez s'il faut aller vers la gauche, vers la droite, en fonction de où vous tournez la caméra. Elle fait en fait office de boussole elle-même dans la façon dont elle est positionnée quand je fais triangle. Vous voyez, voilà, il y a de plus en plus d'esprits différents. Quand je disais ramener la faune et la flore, on ramène la flore, la faune, elle est sous forme spectrale. Aucun esprit autour de moi, quand je fais carré en chantant, Si ces espèces de lucioles d'éclats d'âme sont blanchâtres autour de moi, ça veut dire que ça détecte rien. Si c'est bleu, c'est que ça mène à un esprit à libérer. Si c'est jaune, c'est un objectif de premier ordre à accomplir. Ou même peut-être ça peut afficher un ennemi non loin. Mais durant le premier acte, vous ne verrez pas les ennemis. Bienvenue dans l'attaque des titans. C'est putain de creepy quand même. Hein. Ce qui montre aussi qu'on est minuscule par rapport à l'humanité qu'il y avait sur cette terre délabrée. Ah, ça fait rien. Ils ont tous l'air d'aller vers un endroit précis. Mais ils ont l'air plutôt comme hypnotisés. On dirait pas qu'ils cherchent à fuir quelque chose. Enfin, je ne remarque aucun... Ah, ça c'est des arbres à faire pousser ça. Je ne remarque aucun signe de détresse en fait dans leur gestuelle avant qu'ils eussent été pétrifiés. Il y a un petit aspect à la Dr. Stone là-dedans. On est proche du prochain esprit. Ah ben il est là.
Il est sur le bleu bon, là-bas. Il faut que je fasse le tour. Ils voulaient tous aller vers cette espèce de parabole. Ah, il y a des... Ouais, voilà, ouais, c'est... Des poches, des sacs plastiques qui montrent clairement bon, ben, l'effet de la pollution. Hein. Et vous voyez, en fait, votre barre de vie, elle n'est pas vraiment manifestée dans le jeu. Mais faut regarder les angles de l'écran. Plus ils s'assombrissent, plus l'écran devient noir, plus Gaïa est sur le point de mourir avec les coups qu'elle prend. Et puis après, vous n'avez qu'à respirer un bon petit air frais made in Call of Duty pour vous en sortir. Ah non, j'ai mal jaugé. Il faut, faut d'abord que... Non, j'ai refait la même erreur. Oui, j'ai refait la même erreur. Sprint d'abord avant de sauter, voyons. Ah, c'était juste. Ouais, parce qu'une fois qu'on prend de l'élan, en vrai, voilà, là on peut clairement tout surpasser. Mais qu'est-ce que c'est beau, en termes de déplacement, tout ça, c'est trop mignon en fait. Et à la fois quand même, c'est un jeu qui est quand même assez cringe, hein. c'est creepy quand même hein, le milieu dans lequel on évolue. C'est très très malsain. Oh bah tiens, petit raccourci. Ouais, donc du coup, à chaque fois que je crève, les ennemis réapparaissent, quoi. Bon, je dirais pas que c'est un aspect die and retry, mais bon, les ennemis réapparaissent à chaque fois que... Que vous revenez sur une zone, une fois que vous l'avez quittée, ou si vous êtes mort entre-temps. Ça paraît logique. Putain, la couleur change immédiatement. Bon, de toute façon, il faut... Faut libérer tous les esprits pour essayer de faire le jeu dans sa totalité. Maintenant reste à voir ce que les devs nous proposent comme parcours à faire pour aller chercher tel ou tel esprit. Et pour patienter et plus qu'en apprécier le jeu, justement les décors et on essaye de comprendre ce qui nous entoure. J'essaie de leur envoyer ma bille dedans, ça marche une fois sur deux quoi. C'est par là. Non. Ouais, le pont, et il faut céder du semi-remorque à côté. Enfin, plutôt du camion, on va dire. Ah, lâchez-moi, hein, les poches sacs plastiques, là. Alors c'est lequel? Le poney! On a des chevaux. Bon allez, on va essayer de libérer les autres. Donc il en reste plus qu'un avant d'arriver au chien. Donc cheval, écureuil, facochère dans la zone, c'est fait. Ça a l'air de puer du cul par contre là-bas. Il nous en reste un à trouver. Dégagez. Puis après on a accès enfin à l'esprit, à l'un des esprits maîtres pour Gaïa. On a carrément fait pousser un arbre dans la tour de com. C'est quand même magnifique. Franchement, le FX quand elle fait son appel là de la flore tout autour d'elle là, son cri du cœur là, il est magnifique, c'est somptueux. Non mais comment on peut pas être réceptif à ce genre de jeu? C'est juste mignon, c'est beau en fait. Ok ouais, des barils d'essence, de pétrole, enfin tout est là pour ramener en fait...
petit trou là. Ah bah il est là. L'autre esprit avant de... Allez la poiscaille, parfait. Tout est là pour rappeler en fait les déchets, les détritus. Oh là là, maintenant qu'on a libéré les poissons, maintenant on a des bancs marins au-dessus qui nous guident, c'est trop stylé. C'est beaucoup trop beau quoi. On arrive à des espèces de checkpoints visuels où est-ce que en fait on est. On a tous les esprits qu'on a libérés qui attendent ici, qui dorment, qui auraient pu dormir à cet endroit là. La caméra a une vue et une position, une certaine dynamique qui est assez intéressante. Elle se penche un petit peu sur le côté pour accompagner le mouvement, enfin c'est... C'est vraiment, vraiment sympa. Je me rappelle plus du nom du jeu, mais c'était sur PSP, la protagoniste s'appelait Kat. Elle pouvait marcher sur les murs, d'ailleurs Gaïa pourra le faire. Je me rappelle plus du nom. Un jeu où est-ce qu'on pouvait être à l'envers, tout ça, elle était blonde, habillée d'un truc un peu noirâtre. Oh, c'est dégueulasse. Comme ça, il est pas beau ce pauvre chien. Allez Gaïa, vénère-toi. Allez. L'herbe, ça lui fait une fourrure. Ah, le pauvre toutou. Il est mort, mais bon, on a sauvé son âme. On a sauvé le teckel. On a sauvé le chien saucisse. Incroyable. Il est magnifique ce jeu, vraiment c'est une agréable surprise. Ah, et on tombe dans le coma. Il y a un aspect un petit peu Shadow of the Colossus. Une fois qu'on finit ce qu'on nous a demandé de faire, ce que l'entité nous demande de faire, on tombe dans les pommes et on revient. On va sûrement revenir là au point de contrôle parce que là je sais pas ce qui se passe. Là, je ne sais pas de quoi il en retourne maintenant. Le jeu s'arrêtait à ce moment-là pour moi. Et elle est toute craquelée. Elle est blessée. Donc en fait, son physique va changer avec le temps. Tout comme Wanda dans Shadow of the Colossus. Attends, mais ça... Donc ça veut dire qu'on est amené à mourir, du coup? Si tout ça, ça engendre à chaque fois un sacrifice? Est-ce que la dégaine qu'on aura à la fin, en fait, c'est qu'on va se laisser mourir? Ouais, donc là, on est de retour au centre. Est-ce que la map est une forme d'étoile? Est-ce qu'on part pas à chaque fois du centre et on prend un chemin différent pour aller vers les esprits maîtres à ramener? Après, on a débloqué, donc ouais, ça nous fait des téléportations. Maintenant, reste à savoir si la voix qui nous parle a quand même de bonnes intentions. J'espère que ça va pas nous la mettre à l'envers juste à la fin, un petit peu comme ben justement comme dans Shadow of the Colossus. Mais voilà, plus on revient à son centre, plus l'endroit qui nous entoure est magnifique. Oh, c'est trop beau. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ces magnifiques images en espérant du coup vous avoir assez hypé pour tester After Us. Moins de 30€ en dématérialisé. J'espère donc que ce gameplay découverte vous aura bien plu. Je vous dis... A très bientôt sur ces belles images. Portez-vous bien tout le monde et à ciao !